Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on est le 20 juin et donc je vais vous amener au championnat de France de snooker qui se passe le 22 et le 23 à Colmar. Donc là on est dans ma voiture, je vais rentrer chez moi et puis je vais faire mon petit entraînement du jeudi. Vendredi on va prendre la route avec Jean-Marc Beauchamp qui va être à côté de moi. Ouais, je vais partager la chambre avec Gauvin Bazin que vous avez déjà vu sur la chaîne et après on va voir le championnat de France. On a eu les convocations ce matin et donc je vais vous partager ça plus tard, mais pour l'instant on va aller s'entraîner. Là j'ai un peu de douleur au bras parce que j'étais à la salle de sport, donc ça va être assez compliqué pour moi, mais on va voir ce que ça donne à la suite. Donc c'est parti. Bon, comme un peu attendu, j'ai un peu mal au bras ici. Ça fait surtout mal quand je retiens, quand je fais ma pause arrière au moment de revenir pour tirer. Donc il y a quelques coups où je suis pas hyper à l'aise, mais ça va. J'ai repris un peu l'entraînement. J'avoue que j'avais fait une petite pause après la Q School. J'avais juste fait quelques tournois, mais pas trop d'entraînement. Donc j'ai du bien un peu de reprendre, de retrouver un peu de motif. Donc là, je vais reprendre. Je pense tout à l'heure faire une heure encore un peu avant de partir, enfin avant de dormir et de partir. Voilà, puis on verra ce que ça donne. Au moment où je vous parle, j'ai pas encore tourné la vidéo sur l'avenir de la chaîne, mais voilà, vous verrez quelques changements sur la chaîne YouTube dès que ça viendra. Et puis voilà, juste profiter de ce week-end, voir le résultat. J'espère quand même. Revenir avec la médaille d'or, regagner mon titre, ce serait cool. Bon, on verra bien. Faut surtout que cette douleur là, ce biceps, ça part. C'est comme ça qu'on veut faire le fou à la salle. Après, faut assumer, avoir des courbatures, tout ça. Voilà. Bon, deuxième partie d'entraînement du coup, pour la suite de cette vidéo. Et puis, on se retrouve demain, face caméra avant le départ. Donc, comme prévu, c'est l'heure d'aller voir la convocation, voir qui je joue et à quelle heure. Et donc, je joue le vainqueur du match entre Dimitri Vivier, un joueur de la Ligue Bretagne à Dinard, et son adversaire est Marc Chouillet, un joueur du club de Montpellier dans le sud. Et donc, je vais jouer à 11h30. Voilà. C'est pas dans les premières sessions, j'étais tête de série donc je passe directement à un tour, je vous mets le tableau ici, je vais vous le mettre là, le tableau. Et donc voilà, 11h30, samedi, premier match. Et donc je vous donne rendez-vous là-bas pour le premier match et c'est parti.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. La fin de la première journée, donc vous avez vu un peu un condensé de mes deux premiers matchs. Le premier match, c'était du coup contre Dimitri qui a battu Marc lors du premier tour, Marc Chouillet. Et donc je savais que c'était un match un peu piège, parce que c'est le premier match qu'on rentre dans une compétition et c'est le premier match, lui en avait déjà fait un, moi c'est mon premier match, donc c'est pour ça que c'était un peu piège. C'est un joueur qui est capable de faire des packs de 40-50, donc en best of 3 c'est assez compliqué, il fallait vraiment rentrer dans ce match tout de suite. Comme vous l'avez vu là, les deux premières frames, donc les deux frames du match que j'ai remporté 2-0, j'ai fait 70 et 60 en break. Donc voilà, première bille, je suis rentré dedans direct dans mon match avec le break de 70 direct, même si vous ne me voyez pas, ceux qui ont suivi un peu le match, même si c'est compliqué avec le réseau, tout ça, et la qualité de la caméra. Il est revenu dans les points plusieurs fois, il a réussi à me faire des snooks, et avec les conditions qu'on avait, j'ai pas réussi à m'adapter vraiment au bond tout de suite, donc forcément, il est revenu dans les points, et au final j'ai quand même suggéré la fin de la première frame. Dans la deuxième, il y a une fois où j'ai raté, vous l'avez vu là, la rouge que j'ai attaquée, et je me suis snooké, je devais défendre sur la noire, et j'ai raté ma défense, et là il aurait pu me faire mal sur coup, parce que la noire, toutes les rouges étaient un peu ouvertes, et la noire était assez libre, donc il pouvait rentrer la noire, et la mettre sur son spot et me faire un break. Au final il la rate, et c'est moi qui fais le break, donc assez content quand même de ce premier match, parce que c'était assez compliqué. Je ne sais pas fait de vidéo du moment où je m'entraînais, il n'y avait pas vraiment de spot pour filmer tout ça. Mais du coup, voilà, je vous fais le petit débrief là avec les caméras qu'on a eues. J'avais pas fini, je pensais vraiment que la qualité des caméras allait être mieux. Désolé par avance, mais bon, ça c'est le club qui a décidé. C'est la première fois qu'ils font ce genre d'événement et c'est la première fois qu'ils ont des caméras, qui mettent des caméras pour tous les matchs. Donc forcément, ils savaient pas trop à quoi s'attendre et c'est une première expérience pour eux. Et
Deuxième match, pareil, là, on a attendu sacrément longtemps. Donc, mon premier match était à 11h30. Je crois que j'ai commencé à midi de mémoire. Et mon deuxième match était quasiment à 19h. Et sachant qu'on n'avait pas trop d'idées pour savoir quand est-ce qu'on allait jouer le deuxième match, du coup, je suis resté dans la salle tout le temps. Et c'est vrai que c'est un peu épuisant d'attendre quelques heures avant de jouer le deuxième match. Et celui-là, j'étais vraiment pas trop dedans. J'ai fait un 2 frames de 40, je crois, dans les deux frames. Et donc ça m'a permis de me qualifier pour le lendemain, dimanche, du coup. Et là, pour les matchs, voilà, ça terminait à 1h, le samedi, 1h au midi, minuit et demi. Et donc, les quarts de finale ont commencé à 9h45, je crois. Donc voilà, c'était déjà la nuit et il fallait vraiment se reposer pour le lendemain. Et malheureusement, vous allez le voir, parce que là je vais faire un peu le débrief de la demi et de la finale. Malheureusement, le quart de finale n'a pas été filmé. Je pense pas qu'ils ont mis, ils avaient pas mis des caméras en route pour ma table. Donc voilà, vous avez pas le quart de finale, mais j'avais gagné. Donc j'ai gagné 3-0 contre David Gauthier, un joueur de Périgueux, avec un break de 51-40. Et je me retrouve en demi-finale du coup face à Fabien Menin. Et donc je vais vous faire un peu le débrief de ce match. Et voilà, donc c'est parti. Donc là on est directement sur le match contre Fabien. Donc là je crois que c'est la deuxième frame où on arrive. Voilà, il m'avait stonké sur la rose, c'est des frames assez tactiques. Les conditions sont assez compliquées. Donc niveau contrôle de planche, moi j'ai pas su vraiment m'adapter durant tout le tournoi. Il y a très bel empochage de la verte et là on voit le long shot de la marron. Un peu de réussite là-dessus, donc c'est la deuxième frame. Je mène déjà 1-0 pour ma frame assez tactique où j'ai pris l'avantage sur la fin, je l'ai mis en score avant les couleurs. Là une erreur de défense de sa part, j'ai besoin de la marron, la bleue et de la rose. Donc voilà, encore un peu court sur la bleue, je fais le tour et j'arrive nickel sur la rose. Juste à piquer à la mettre et voilà, 2-0. Donc on part dans la troisième frame, voilà, des erreurs un peu, je vous mets vite fait, mais c'est un début de partie assez rapide, beaucoup de défense dans ce match, vraiment beaucoup de défense, et un peu dommage pour moi, c'était vraiment le contrôle de planche, où vraiment j'arrivais pas du tout à contrôler, voilà, là il a une occasion de faire des points, et il est à... Il a fait 14 et donc là voilà, déjà première je rentre 3 billes et je suis à la rue complet. Là pareil, un deuxième exemple où j'éclate le taille avec une rouge qui décale, du coup je suis obligé de faire de faire une défense alors que j'aurais pu largement faire plus. Et voilà, ça joue sur les couleurs. Il fait des snoops, voilà. Et je lui laisse la verte. Il fait verte, marron, bleu, et après je peux pas revenir. Et à 2-1, donc on a cette marron pour le score, pour qu'il revienne à 2-2, et heureusement pour moi il rentre la blanche. Et donc là j'ai besoin de marron, bleu, rose, noir, c'est une formalité normalement pour moi. Là j'ai bien fait attention à bien remonter avec ma blanche, et même pour la rose là j'ai envoyé une praline dans la blanche pour qu'elle revienne, et j'ai failli être trop court, et j'entre du coup 3-1. Un peu hold-up, mais quand même 3-1. Donc là, on est dans la cinquième frame. C'est écrit 2-2 sur le score, mais ça fait 3-1 pour moi. Et donc là, je vais faire... c'est là où je vais faire le meilleur break du tournoi. Donc j'ai une table assez assez fermée. Je savais que je pouvais faire une quarantaine de points là-dessus. Avec toutes les rouges qui étaient décalées, le seul truc, c'était vraiment l'éclatement de table. Donc on va voir que j'ai tourné autour... Là déjà je vais me replacer sur la rouge en poche centrale, mais je peux pas parce que le petit coulé n'a pas pris. Donc très belle bille dans la poche de la jaune. Là je joue la bille que je voulais au départ. Là je suis déjà... Je vais être à 35 il me semble. Ou à 33. Le bon kiss sur la rouge, malheureusement je joue pas la rouge que je veux jouer la rouge qu'on va voir juste après. Avec cette bleue et... Voilà, je voulais celle-là de base. J'entre la rouge au milieu. Voilà, nickel, j'ai le bon angle. Et là, j'éclate le tas de rouges qui s'éclatent. Et heureusement pour moi, j'ai assez pour en avoir une. Et donc voilà, là,
67 points d'écart, 67 sur table, j'ai rentré la rouge. Là, je suis à 73. Le match est gagné, donc je vais aller en finale. Est-ce que je vais faire Century? Donc là, 89, et je joue une ligne main droite et je rate. Bon, je vais bouger la rose et la rouge qu'il y avait sur le côté, et malheureusement, l'effet n'a pas pris sur la bande. On va voir plus tard. C'est pas un problème que j'ai eu que sur ce coup-là. Et voilà, donc 89 de break, 4-1. Finale du coup contre Alexis Calvart, qui a gagné contre Jean-Marc Beauchamp 4-3 dans un match un peu fou. On le voyait un peu au fond de la caméra là où je jouais. Donc 4-3, il a gagné sur la rose il me semble, donc c'était assez serré. Et voilà, donc finale contre Alexis, et on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti pour la finale contre Alexis. Donc là je tente un premier long shot, c'est la première frame. Là ça fait 0-0, je vais vous faire frame par frame. Il y a des moments où ça va passer vite. Bon, surtout quand on est dans des breaks, voilà, je vais montrer les breaks en accéléré. Mais voilà, là c'est important de bien se mettre dedans. On a fait une pause entre la demi et la finale pour manger. La finale s'est terminée vers 14h je crois. La demi qui s'est terminée vers 14h. Et donc on commence la finale vers 15h30, un truc comme ça. Donc voilà, première occasion pour moi. Donc c'est important que je rentre dans mon match après le match tactique que j'ai eu juste avant. Donc voilà, premier éclatement avec la noire. Donc on voit qu'il n'y a pas grand chose qui bouge, mais voilà, c'est un peu les conditions. Je vais pas en parler tout le temps. On joue pas sur tapis 9, donc forcément, quand on éclate le tas, ça, même au niveau des rétros, tout ça. Ça allait pas trop, mais là j'ai une occasion de faire des points et je rate la noire. Je rate la noire parce que je sais pas trop où mettre ma blanche sur un truc comme ça. C'est vraiment une erreur peut-être trop vite de ma part. Donc là la première occasion pour se mettre dedans. Là il tente il met la rouge, la bleue là, qui passe à côté. Donc j'ai une deuxième occasion pour faire le break. Je fais 28 points dans ce premier break que vous avez vu au début de la frame. Donc là, replacement nickel pour une des deux rouges qui va dans la poche en haut à droite de l'écran. Donc voilà, on enchaîne quelques billes, là pareil, au niveau du contact, il n'y a rien qui se passe. Donc je vais défendre, j'ai 47 points d'avance, et là je le laisse dans les rouges un peu. Donc là, il a une sacrée occasion de recoller le score. Donc c'est une première fin un peu brouillon, parce qu'on a eu quelques occasions et on n'a pas pris la main. Et donc là il me laisse une occasion avec la rouge au râteau, nickel. Et donc là pareil, je vais faire une trentaine de points, 1-0 pour moi. Je commence très bien la finale avec 2 breaks de 30 dans la première. Du coup 1-0. Il met un super long shot. Début de la deuxième. Là pareil, pensez éclater un peu plus avec la blanche. C'est vraiment des problèmes de. Là ce que vous allez voir, c'est surtout des problèmes pas d'empochage mais vraiment de contrôle de blanche. Qu'on a eu durant toute la finale. Que ce soit au niveau des bandes, au niveau des rétros et des hauteurs de blanche. C'était vraiment une galère. Et donc voilà, là pareil, il va faire un rétro avec. La bête, il recule pas beaucoup. Il voit quand même une rouge qui peut attaquer. Fait. Malheureusement, mauvais contact dans le tas. Il laisse une occasion juste après. Il faut essayer de marquer des points. Pareil pour revenir. La caméra qui buguait au niveau de la connexion. Donc j'ai fait rouge-bleu. Donc là, je suis à 13. Là, pareil, j'essaie d'éclater le tas. Mais sur la deuxième bande, il n'y a plus aucun effet qui prend. Donc je passe à côté. Et je vais devoir défendre. La frame passe un peu. Frame tactique, un peu scrappy. Là pareil, je vais faire un stop. Et la blanche qui avance, alors que je vais faire un stop. Pour jouer la rose. Finalement, je me retrouve à jouer une noire fine. Que je rate. Là pareil, je suis sur la jaune. Fin de la deuxième, pareil, je mets un effet à droite. Ça prend pas. Du coup, je me retrouve collé bande avec une bille un peu difficile que je tente au milieu. Je sais que si je la rate,
Je cache ma blanche derrière la noire, donc j'ai aucun risque. Et je la mets et je remporte la deuxième partie. Là, on est sur un peu le même cas de figure. Je vais mettre un rétro effet à gauche pour bien revenir au niveau dans l'axe de la rose. Et je me retrouve en piqué au-dessus de la bleue parce que ça n'a pas pris. Et donc, après avoir tenté la bille en piqué et l'avoir raté, Alex qui se retrouve en situation de break. Et donc là, il va en profiter. Il va en profiter pour faire des points et remporter sa première frame. Donc voilà, dès que je vous mets la façon le break en accéléré, vous savez que c'est un break au-dessus de 50. Juste pour voir comment il a fait. Et voilà. Là, je crois qu'avec cette rouge-là, il me met un score. Ou avec la noire, juste après, il me met un score. Donc, enfin, qui allait assez vite. Et donc, au final, il va faire un break de 60. Il va rater cette rouge, malheureusement, pour lui. Et donc, quatrième frame commence. Ouais, une belle casse de ma part. Il tire un peu gros. Il me laisse un long shot en diagonale. Là, je vais essayer de bien reculer pour me retrouver du bon côté de la bleue, mais voilà. Comme si j'avais fait un stop, mais c'est pas grave. Faut faire avec, façon des trucs comme ça, dès qu'on commence à s'énerver un petit peu, c'est là où ça peut mal tourner. Là, pareil, le même fou, je fais un stop, ça avance beaucoup trop. Du coup, un peu en frustration, je rentre la bleue en poche, en long shot. Mais voilà, c'est peut-être un coup que j'aurais pas dû faire. Ça rentre tant mieux pour moi. Donc là, 18... Je fais le tour avec la bleue. Et là, je joue la rouge en rétro, en piqué. Et pareil, voilà, pas beaucoup de rétro qui a pris. Voilà. Du coup, j'ai une occasion à Alex. On se retrouve quelques coups plus tard où il a une occasion aussi de marquer des points. Il y a un petit kick sur la rouge. Il fait bien le tour avec la bleue là. Important, c'est de se donner toujours le bon angle sur la bleue, la bonne dominante. C'est assez compliqué quand on n'a pas l'habitude sur ce genre de tapis, mais il arrivait très bien à le faire. Et voilà, encore une bonne dominante. Et là, il va un peu trop loin. Et voilà, il force un petit peu pour ouvrir un peu le tas. Donc il a raté, mais là il se retrouve encore dans les rouges. Je crois que je fais une erreur défensive 3-4 coups après. Donc voilà, je laisse le jeu assez ouvert. Il avait marqué des points avant, on était à peu près égalité. Et donc là il va faire il va faire une cinquantaine de points. Avec 7 rouges, 7 noirs, trop court sur la jaune. Voilà. 5ème frame du coup de partout. On a eu une petite pause. Qui me fait quand même du bien parce que... Là, deux frames que je prenais dans les dents, ça faisait mal. Et donc là, j'ai une occasion dans les rouges. Je fais un beau snook. Et Alexis qui a mis 5 essais avant de le faire. Là, on vient de voir une noire où je fais un rétro pareil. Et je me retrouve trop court. Heureusement pour moi, la rouge, elle passait quand même. Je me suis replacé sur la jaune et je suis revenu dans les rouges. Et donc là, 43, je me rappelle très bien. Break de 51, je sais qu'il me faut encore. Après cette bleue, une rouge, une couleur pour le mettre en score. Et donc la break de 64, là je suis à 72, 80, 81. Et je rate la noire, je fais une fausse queue en fait. Je voulais faire un peu forcer le rétro pour vraiment qu'il prenne bien et revenir sur la jaune classique. Et voilà. Voilà, je fais 81. Là, c'est là sur ce coup-là où il fait au bout de la cinquième tentative, il a essayé de faire deux bandes et se coller. Et il me laisse quand même une rouge. Après avoir donné 20 points de faute, ça fait quand même mal de laisser le jeu comme ça encore. Et donc là je sais que j'ai moins de billes à rentrer pour le mettre hors score. Donc là j'ai une occasion, vraiment la première occasion pour faire du mal. Là, je vais me repasser sur la verte pour éclater le tas. Il faut vraiment se laisser beaucoup d'angles et avoir une bonne vitesse dans le paquet pour que ça s'ouvre. Et c'est ce que je fais. Nickel. Là, je joue la rouge au râteau, mais malheureusement, je me bloque
Je me bloque la noire. Du coup, je suis obligé de tenter la rose. La rose qui rentre tout juste, on voit, elle a galéré un petit peu à rentrer. Donc là, pareil, j'essaie de revenir sur la bleue. Je suis pas très content parce que vraiment, j'ai galéré quasiment tout le week-end d'avoir une bonne dominante sur la bleue. J'ai oublié de forcer le tour. Heureusement, ça passe tout juste. Je rentre la rouge. Voilà. Après, retour bleu, c'est classique. Là, je m'attendais pas à être. Avoir la bonne dominante. Par contre, là, je mets max d'effet à droite et ça prend pas beaucoup sur la deuxième. J'aurais aimé jouer la rouge qui a tout à droite de l'écran, qui est en dessous du paquet. Mais du coup, je suis obligé de jouer défense de 40 à peu près. Il est obligé de faire une clearance pour revenir à 3-3. Il rentre une belle rouge poche centrale. Là, il se donne une occasion quand même de vider. Il y a les deux rouges qui posent problème, qui sont collés. S'il se donne pas le bon angle avec la noire, il pourra pas aller les chercher. Et donc, il se replace dessus. Il a un petit peu trop d'angle. Il rate. Et donc là, j'ai besoin de rouge couleur pour redevenir champion de France. Donc j'ai bien pris mon temps sur la rouge. Voilà, elle est dedans. Et la rose, elle me faisait passer à 36 points d'avance et 35 sur table. Donc voilà. Là, je la mets. Je sais que je suis bien placé et que si je mets cette rouge là, je gagne le match, donc je suis une deuxième fois champion de France. Donc c'est pour ça qu'on va voir on va voir serrer le point. Vraiment très satisfait d'avoir gagné ce tournoi parce que c'était pas gagné d'avance. Surtout que toute l'année je joue quasiment sur des tables avec des tapis neufs. Donc le fait de jouer sur des tapis un peu usés et où ça réagit pas comme je veux, c'est toujours une galère, ça a toujours été une galère pour moi. Quand je jouais en France. Mais voilà, je suis assez content d'avoir quand même montré que je pouvais jouer là-dessus. J'ai fait quand même pas mal de breaks au-dessus de 50. Je crois 6 en tout. Faut que je regarde, mais je crois que c'est 6 à peu près. Avec le meilleur break, 2 breaks de 80, 1,70. Et voilà, je me fais plaisir à la fin. Et c'est terminé. Voilà, je regarde mon deuxième titre de champion de France toutes catégories, 2 fois d'affilée en 2 ans. On se retrouve pour le discours du coup. Et le podium. On va voir ça tout de suite. Et donc, vainqueur pour la deuxième fois consécutive, monsieur Nicolas Portouret du club de Sacramento. Yeah.
Of your life.